Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que je suis contente de la faire parce que j'étais chez ma mamie, je devais dormir encore un jour, mais là, comme je suis rentrée à pied, je suis devant chez moi, sans que ma mère et mon père me voient, ben, je vais rentrer. Comme vous le voyez, je suis en moto, je suis dans la rue, regardez, il y a les lampadaires, j'ai pris une heure de route. Il faut pas qu'ils me voient, allez, je rentre, sans qu'ils entendent là. Maman, maman, fais comme si tu me vois pas. Je vais être manteau à mon porte-manteau. Là, j'en distrais chez moi. Je viens. Parce que c'est chez moi, je vais aller dans la chambre de mon père. Chez ma mamie. 100 000 nouveaux décès en 24 heures. Chez nous, apparemment. 100 000 nouveaux décès en 24 heures. Et après, on discrète. Quand on est venu en chien, on discrète. Je fais que. Allez, en fait, je m'ennuie. Je repars dans la rue et je reviens. Elle me voit. Je vais aller me cacher quelque part. Je vais aller dans le cache-pis. Venez, venez. Venez, venez. Je vais devoir escalader ça. Il y a des sacs poubelles, quoi. Enfin, c'est des habits de dormir. J'y suis. Regardez. Je suis montée. Assez confortable. Peut-être que je vais dormir. Cette nuit, du coup, je repars dans ma cachette que j'ai emballée lentement parce que j'ai peur de faire remarquer. Mes parents, ils sont en bas, ils m'ont toujours pas. Mes parents, ils sont en bas, ils m'ont toujours pas vu. Si on voit ma mère sur les vidéos, on s'en fiche. Ce que je veux déjà, c'est qu'ils me voient pas. C'est tout ce que je veux déjà. Ceux qui veulent que je me mette en roller, je peux le faire. Je vais me mettre en roller d'ailleurs. Je vais patiner parce qu'il y a mes rollers. Oh, ça fait du bruit. Hein. De toute façon, il ne faut pas me remarquer. Ça se peut pas. Si elle me remarque maintenant. Mais si elle me remarque maintenant, elle va me remarquer. Si elle me remarque maintenant, ça veut dire que je vais devoir retourner chez ma mamie un jour.
Voilà, ceux qui veulent voir, je vous mens pas, je suis vraiment en roller. Même si c'est derrière de l'année, c'était quand j'avais 4 ans. Maintenant, j'ai 7 ans, alors ils ne m'ont pas. Je sais. On va marcher en roller. Je suis un peu trop serré. Ils m'ont pas vu encore. Ils m'ont pas vu maintenant. Pour moi, ça me permet de se beaucoup plus grand en plus. Ça, c'est pas bon. C'est d'autres pieds dans le 15. Ouais. Non, ouais, c'est obligé, c'est du 30. Alors, je crois que les 150 pièces de conforté de référence sont Ils m'ont pas encore remarqué, mais là, je fais tomber. Moi, je les ai vus, mais ils me remarquent pas. Il y a papa qui tue les échalotes. Mais ah! Oh! Oh! Mon doigt de pied, il est tout au fond. J'allais tomber. Je suis toujours en roller. Si je regarde par ici, c'est normal, je regarde mon chien. Si je fais ça tous les deux, c'est parce que je regarde ma sœur. Ma sœur, elle va pas dire à maman et à papa. Ils m'ont pas encore remarqué, mais j'ai mal au pied. Je vais essayer 2 minutes après, je leur m'éprends. Les gens. Est-ce que j'ai mal au pied? Je vais essayer de les remettre bien, parce qu'en aïe. Je suis tombée. Vous inquiétez pas, eux, c'est pas des équipes coupes, hein, bien sûr. Je vais mettre des coupes. Dès qu'ils coupent dans la maison, là, le parking aurait été tout de armé. Hein. Vous savez, si vous savez plus, prenez un roller. Vous tapez avec votre pied sur ça. C'est très important, on va vous dire. D'abord parce qu'à l'hôpital, on a une habitude tous les jours hors épidémie qui est de gérer un malade contagieux ou deux malades contagieux. Dans ce cas-là, on a une utilisation de masques qui est liée à la présence d'un malade. Ici, on bascule sur un fonctionnement épidémique et d'ailleurs beaucoup d'hôpitaux ont totalement basculé sur des secteurs entiers qui sont. C'est bon, je les ai remis.
J'ai mal au pied par contre, je sais. Aïe, aïe. Attends, je vais la remettre bien. Et enfin, pour la médecine de ville, là aussi, on change profondément les comportements, puisque d'habitude, un médecin généraliste va voir beaucoup de patients, donc beaucoup de patients contagieux, gastro-entérés, transmis. Et ici, on a demandé vraiment un changement profond de comportement, qui est que le médecin est encouragé à pratiquer une téléconsultation et que le malade est encouragé à rester confiné à domicile. Donc l'idée est justement de démultiplier toute scène de transmission. Parce que si vous allez chez le médecin, vous allez prendre un transport, vous allez demander à des amis de vous conduire, vous allez prendre éventuellement un transport en commun. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Les hormones sont beaucoup trop petits pour moi. De toute façon, d'éviter les masques, on peut très bien avoir une complication à distance, une ordonnance à distance, un arrêt de travail. Aïe ! Éviter cette conservation et éventuellement la contamination de personnes au cabinet ou à proximité du cabinet de l'étranger. Où en sont les essais cliniques du docteur Lina et docteur Adair? Ont-ils bien commencé à Lyon et est-ce bien pour 100 patients et plus? Alors, il y a énormément d'essais cliniques qui sont en cours puisque la France, comme vous le savez, bénéficie d'une structure de coopération entre les différents acteurs de recherche. Elle s'est mobilisée très tôt, cette structure multidisciplinaire avec des épidémiologistes, des infectiologues, des virologues, des réanimateurs, évidemment. Des traitements, donc nous avons la chance d'avoir à la fois un soutien européen et à la fois une communauté scientifique active. Vous avez signalé l'essai qui est porté par le professeur Florence Adair à Lyon. Il y a beaucoup d'essais en cours, il y a beaucoup de publications scientifiques en cours, donc on en apprend chaque jour davantage sur le site qui est arrivé. Et les professionnels ont l'habitude de travailler ensemble, ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les réanimateurs du monde entier se parlent. Échangent sur leurs impressions en Chine, sur leurs impressions en Corée, sur les façons de prendre en charge de façon optimale un syndrome de détresse respiratoire aiguë, sur la place, par exemple, des corticoïdes en réanimation, sur la place du certaines thérapeutiques antivirales. Et donc, on voit énormément de publications depuis quelques jours, et tant mieux, parce que l'idée est de produire massivement de la connaissance scientifique sur ce virus qui est quand même extrêmement nouveau, puisqu'il n'a que 3 mois. Unis la vie. La létalité en Allemagne semble plus faible qu'en France, alors que le nombre de cas confirmés est plus élevé. Quel enseignement peut-on en tirer? C'est très difficile de comparer la mortalité entre deux pays. Vous avez noté que les spécialités de l'épidémiologie. Voilà, maintenant je les amis, je ne suis pas très bien de faire. Je ne vais pas forcément.